Eh bien, nous revoici avec une autre plante, peut-être un peu plus particulière, puisque ce n'est pas une plante originaire de notre pharmacopée européenne, on va dire. Il s'agit du tulsi. C'est un basilic, le basilic sacré, qui nous vient de la médecine ayurvédique indienne, voilà, et qui a des particularités un peu différentes de notre basilic. Une odeur très très puissante. Et elle est classée dans la catégorie des adaptogènes. Alors bon, c'est un basilic qui se cultive plus facilement, je dirais, que notre basilic ordinaire. Extrêmement mellifère, il fleurit très vite. Et on peut évidemment en faire des alcoolatures et également faire sécher la partie aérienne, feuilles et fleurs, pour en faire des tisanes. Donc quand on dit que c'est un adaptogène, c'est que c'est une plante qui va avoir des effets sur l'ensemble de l'organisme, et moi je l'utilise plus particulièrement dans la régulation du stress, puisque cette plante a la particularité de soutenir le travail des surrénales qui gèrent la production du cortisol et également de l'adrénaline, et donc en soutenant cette glande, elle permet une meilleure gestion du stress, et dans notre société qui l'est quand même pas mal, eh bien c'est un bon atout, voilà. Et elle a évidemment plein d'effets, à la fois antivirale, elle soutient l'immunité, voilà, une meilleure cognition au niveau cérébral. Bref, c'est une jolie plante, facile à cultiver. Alors ici, elle est sous serre, donc elle pousse très très bien, mais je l'ai déjà cultivée en extérieur. Je suis dans le sud-ouest de la France et pas de souci, elle se cultive très bien. Donc n'hésitez pas à l'introduire dans une jardinière, dans votre jardin. Si vous avez une petite serre, dans une petite serre, et vous aurez à la fois une plante condimentaire, quoique ce n'est pas, peut-être pas son usage principal, mais une très très grande médicinale. Et voilà.